Ils sont là à chaque nouvelle étape de l'examen du projet de loi. Des milliers d'opposants au texte sur le mariage homosexuel se sont rassemblés ce jeudi à Paris devant le Sénat. Les sénateurs doivent plancher sur le sujet jusqu'au 13 avril maximum. Si la loi avec le mot mariage pour les couples de même sexe passe, eh bien il y aura de facto la procréation médicalement assistée. Je ne veux pas de cette loi parce que c'est une loi mensongère, c'est une loi qui fausse la filiation, c'est une loi qui brouille les repères. Le gouvernement français a laissé tomber la procréation médicalement assistée, mais la ministre de la Justice, Christiane Taubira, continue de défendre le projet de loi avec passion. À l'extérieur du Sénat, elle est soutenue par un collectif pro-mariage homosexuel. Au Sénat, le vote du texte ne sera pas si simple qu'à l'Assemblée nationale. La gauche ne dispose en effet que de 6 voix de majorité et elle s'attend à quelques défections dans ses rangs. Les dissidents de droite devraient toutefois lui fournir les suffrages manquants.